Bonjour, aujourd'hui pour ce tout nouveau tuto, je vais vous apprendre à faire ce joli petit nœud au crochet. Voilà, rapide, simple, très simple à faire. Voilà, donc pour ceci nous allons avoir besoin de laine, d'une aiguille à laine, d'un ciseau et d'un crochet. Donc pour ceci, nous allons monter une chaînette d'une maille, enfin d'un nombre de mailles quelconque. C'est vraiment au choix. Moi, je vais monter une chaînette de 10 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Je vais monter une maille supplémentaire pour commencer le rang. Et dans chaque maille, je vais faire une maille serrée. Une fois que vous avez fini votre rang en maille chaînette, en maille serrée, vous allez faire une nouvelle fois une maille en l'air à la fin de votre rang et faire encore des rangs en maille serrée comme ceci. Moi, je vais en faire à peu près 8 rangs comme ceci. Et voilà, donc je fais mes 8 rangs et je vous retrouve. Et voilà, donc je viens de terminer mon 8e rang. Arrivé au bout de mon 8e rang, je refais dans ma dernière maille serrée deux autres mailles serrées. Voilà, comme ceci. Et dans les autres mailles, je fais aussi une maille serrée. Je fais une maille serrée dans chaque maille et arrivé à un angle, je fais 3 mailles serrées. Voilà, dans chaque maille. Désolée, vous entendez ma fille juste derrière. Elle a envie de participer, elle aussi. Voilà, arrivé au bout de votre rang, pardon. Faites une maille coulée, une maille en l'air, et moi je coupe le morceau. Donc moi je montre comment dire, un nœud d'une façon simple où je ne me prends pas la tête. Voilà, il n'y a pas plus simple, je pense, pour faire un nœud. Hop, vous rentrez tous les fils. Voilà. Coupez tous les petits morceaux qui dépassent. Voici, je l'avais pris avec la couture. Voilà. Ensuite, vous prenez un morceau de fil. Vous prenez votre aiguille à laine. Et là, nous allons faire la fermeture du petit nœud. Donc, je vais faire ça en mode accordéon, ce que j'appelle mode accordéon. Hop, comme ceci. Voilà. Hop, je pince comme ceci. Y arriver. Voilà. Et je tourne tout autour d'un côté avec un fil et de l'autre côté avec l'autre fil de l'autre côté. Je mets derrière et je fais un nœud. Voilà, comme ceci. Je mets correctement
Et voilà ce que ça donne. Deuxième petit bout. Beau petit nœud. Voilà. Tout simple, tout rapide. Mettre ça sur des robes en décoration, des couvertures, sac. C'est assez sympa. Voilà. J'espère que ce tuto vous aura plu. Je vous dis à bientôt pour un nouveau tuto. Bonne journée.